Hop, ah oui, donc voilà le mec un peu bizarre avec. Oui, bah bonjour. Vraisemblablement. Ouais. Tu me prends pour qui? Non. Très bien. Bon, bah d'accord, t'as quoi? Bah déjà, je vais vendre les armes dont je me sers pas. Couteau, ça je m'en fous complètement. Basse large, je savais même pas que je l'avais, mais je m'en fous. Épée courte, je le vends aussi. Sabre aussi. Non, ça je garde. Hein. Allez, épée large, je vends. Rapière aussi. Questus aussi. Vêtements décontractés. Non, parce qu'il faut que je garde pour quand je retournerai dans la vraie vie, parce que sinon ça craint un peu. La tunique, je vais la vendre. La tunique aussi. Robe de soie, je la vends parce que. Non, je ne suis pas un travelot. Pendentif cœur, je le vends parce que pour la même raison. Le foulard, je le garde parce que c'est chaud et doux. J'adore cette description. Donc voilà, après t'as quoi acheter? Ah tiens, deuxième carte du château, ça peut toujours être utile. Je vais prendre des potions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de potions. Bon, là, comme ça, c'est ok. Et ça, c'est. Oh, une lance. Ah, ça peut toujours être utile. Un scimitar. Oh. Putain, katana. Oh merde, j'hésite là. Je veux dire, les katanas, c'est trop cool. Oh. Bon, je vais voir d'abord qu'est-ce qui est le mieux. Bon, je vais prendre le treillis. Allez, je succombe au katana. Désolé pour l'épée fouet, mais. Enfin, je vais voir quand même à quoi ça ressemble. Si ça se trouve, je me suis fait arnaquer complètement, mais. Le katana, quoi. Ouais, niveau portée, c'est pas super. C'est vraiment. Alors que l'épée fouet. Ouais, par contre, 15 en moins, quoi. Ouais bon, je vais garder l'épée fouet au cas où si jamais j'en ai besoin encore. Et je vais m'équiper du katana pour l'instant. Je garde l'épée fouet parce que quand même. Coucou ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Si, enfin, c'est pas ce qui me choque le plus. Je veux dire, il ouvre un magasin dans un château inconnu avec des monstres. Oui bah. Ah, c'est bien, réaction sensée de personnage. Validé. Bon, donc oui, effectivement, c'est pas normal. Ouais, enfin, je dis ça, je dis rien. Donc, voilà. Ah, tiens. Ah, du coup, maintenant, je peux monter là. Hop. Il se passe quoi ici? Bah, déjà, il y a un truc au-dessus. C'est quoi ce machin? Talisman. Hop, est-ce que c'est bien le talisman? Voyons voir. Équipé. Augmente la chance. C'est un truc de la nénette là. Minakuba. Bien, on traverse le pont. Et on peut strictement rien faire. Parfait. C'était très utile en fait de monter ici. Maintenant on va descendre. Allez. Hop. Ça va. Ouais, maintenant je vais vous dire au revoir et à ciao pour une prochaine vidéo. Plus. Rebonjour. Bon, je m'excuse un peu pour les bonjour au revoir qui sont un peu frénétiques. Pour ne pas dire qui sont un peu bordéliques. Bordéliques. Désolé si qui est une articule, ouais. Pas de mots. Pas très bien parfois. C'est comme ça. Donc oui, des fois je perds un peu la notion du temps, ce qui fait que les vidéos peuvent être de taille variable. Bon, j'essaye en gros de tourner. Bah, mon objectif aujourd'hui c'était 15 minutes à la base environ. Bah maintenant du coup ça va devenir 20 minutes. Je vais faire j'essaie de finir pour faire une session d'une heure pile, donc ça fera en gros des épisodes d'une vingtaine de minutes.
Et puis on verra après tout ça au montage. Donc je continue, je me balade. Alors, là, tiens, en bas à droite, j'ai jamais été apparemment. Il y a quoi ici? Et il y a... réservoir souterrain, très bien. Hop. Faut quand même avouer que le katana il est puissant. En plus c'est pratique parce que comme ça, ça fait un truc comme ça, ça arrête les projectiles. C'est pas mal. Bon, pendant Tiffy fait quoi? Ouais, c'est encore un truc pour augmenter la chance. De toute façon le talisman de Akuba il est mieux. Hop. Bon, d'accord. Ah, one shot. Dire qu'à une époque, je pouvais même pas les toucher. Hop. On continue. On continue. Bon, écoutez, c'est très bien de se balader comme ça. De temps en temps, je croise des bateaux, c'est cool. Mais. Mais c'est quoi l'intérêt? Pas très bien. De toute façon, je peux rien faire là. Donc il faut être capable de plonger sous l'eau apparemment. Chose que je suis incapable de faire. Bon bah on reviendra plus tard les gens. Attends. Est-ce qu'avec le double saut je peux pas grimper? Je vais pas te faire des allers-retours là. Désolé, est-ce que je peux pas monter ici? Non. Ce coup-ci, on s'en va définitivement. C'est bon. Tonton Granny, il a fini ici. Et Soma aussi, du même coup. Hop. Ah, c'est bien ça. Pendant la nage, on peut attaquer sans casser le rythme. Très pratique. Hop, donc on descend, on remonte, on bute les chauves-souris. Enfin, c'est la troisième fois que j'ai leur pouvoir. Hop, on va à droite. Poup 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 piloup. Hop, on avance. On grimpe ici, on chope une cape. Je vais regarder mais mon foulard quand même il est mieux. Ouais voilà le foulard il est mieux. Je savais. Foulard is the best. Hop. Et voilà, était complètement owned. Donc c'est dans la prochaine pièce normalement, à laquelle je pouvais pas accéder tout à l'heure, que je devrais désormais pouvoir être capable de monter. Ah, armure H, vous êtes complètement dépassé. Et de 1, et de 2, et de mort. Bien. Voilà. Hop. Donc trop pratique de pouvoir voler, de pouvoir faire des sauts, de grimper dans l'air. D'ailleurs je me demande pourquoi est-ce qu'on peut pas le faire plus et complètement voler, parce que je veux dire pouvoir sauter une fois sur du vide, déjà c'est extraordinaire donc je vais pas me plaindre. Et ça implique le fait de pouvoir le faire autant de fois qu'on veut, non? Bon je vais pas me lancer là-dessus mais. Hop des harpies. Des harpies. Ah, c'est des sirènes en fait. Bon bah tant... autant pour moi, je pensais que les sirènes s'évivaient dans l'eau. Hop, donc on se balade. Là on peut rien faire donc il faut descendre. D'accord. Et on descend, on trouve une fourche. C'est... je vais regarder. Mais c'est un peu une arme de paysan la fourche. Chez moi on appelle ça une lance, pas une fourche. Mais bon, de toute façon je vais rester au katana parce que c'est vraiment trop moche. Je suis désolé mais je le vendrai. C'est long à dégainer et c'est moche. J'aime pas ça. Moi c'est bon, je suis devenu un adepte du katana. L'épée fou est super aussi, mais le katana quand même. Si jamais on pouvait retrouver, je sais pas, le tueur de vampires, vu qu'apparemment on va devoir tuer quelqu'un qui veut s'emparer du pouvoir de Dracula.
Et je suis sûr c'est pas Graham, parce que Graham c'est mon frère de Frank Blanc, donc je m'en fous. Petit lag. Hop. Est-ce que peut-être à droite, non? Même pas. Ouais, c'est un peu étrange. Hop, donc on continue. Je suis sûr c'est la meuf bizarre là. Qui essayait de me tromper, de me dresser contre Graham. C'est quoi cette musique? Wow. C'est un peu flippant. Oh, attends, j'ai avancé tout seul. Ouais, je sens pouvoir noir en vous, etc. C'est mal élevé de poser, les questions vont être présentées. Ah, tu as dans le cul là. Mais tu te fous de moi là? Oh putain. Bon d'accord, J. En fait ce type c'est le Joker. Je suis dans un remake de Batman. Bonne question, Soma. Un accident en 1999. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que ce serait pas Dracula? Je suis en train de faire une thèse de merde là, mais est-ce que, vu que 1999 c'est l'époque où il y a eu Dracula qui a disparu, qui est mort, est-ce que ce serait pas Dracula réincarné dans une âme de mortel et là il retourne chercher ce pouvoir? Ou alors, c'est le Belmont qui a buté Dracula, qui est de retour et qui va retuer Dracula ou qui cherche son passé ou n'importe quoi. Peu importe, donc moi c'est Soma, voilà. Écoute, j'en sais rien. Je l'ai remarqué il y a une vingtaine de minutes. Non, maintenant ça doit faire... Allez, 1h30 en entrant dans le château. Alors, Mr. G, why are you in the château? Je suis terrorisé quand j'entends le nom de Dracula, d'accord. Ah d'accord, parce que le nom de Dracula lui rappelle quelque chose, donc il est venu parce qu'il espère pouvoir retrouver la mémoire. Sauf que s'il est venu en le voulant, ça implique qu'il savait que l'éclipse allait se déclencher et donc... envoyer toutes les personnes qui étaient dans le temple de Akuba ici. Ce qui veut dire qu'il en sait plus que ce qu'il ne veut dire. Bah, tu retrouves la mémoire, très bien. Ah, il a des pouvoirs magiques. Bon bah d'accord, ciao, à plus. C'était cool de te rencontrer. Bon, en attendant, je vais continuer à détruire des lustres en pensant à toi. Oh! Ah oui, par contre, ça c'est. Ça c'est chiant. Et pour eux, il faut mieux utiliser le. Le fouet. Bon, Wow! Putain, non, pas les danseurs. Oh, ils s'utilisent. Bon, du coup, je peux le tuer en 3 coups. Et par contre, je peux pas sauter assez haut pour tuer le monsieur. Bien. Enfin, j'aime pas les danseurs. Si vous voulez danser, je sais pas, moi aller dans un club. Je sais pas. Trouvez-vous un endroit, mais ici c'est le château de Dracula. Quoique vu leur fringue, si ça convient plus ou moins. Mais on s'en fout, de toute façon. Non mais je peux vraiment pas passer. Ça parce qu'il y a une putain de colonne. D'accord. Hop, bon, dernier petit clou. Couple. Pas clou. Et il y en a encore deux en haut que je peux pas atteindre, tant pis. Mes pulsions meurtrières attendront. Y a quoi en bas, par hasard? Ouais, j'hésite. Je vais en bas ou en haut? Allez, on va descendre. Déjà, c'est vachement moins accueillant. Wow. Merde. Hop, esquive, esquive, esquive! Eh, mais c'était un boss, lui, tout à l'heure! Bah, effectivement, maintenant, c'est plus tellement le niveau d'un boss, mais. Pareil, tout à l'heure, il me. Oh! Putain, il était camouflé dans les caisses! Je vous jure! Invisible à l'œil nu!
se déplaçant agilement et discrètement sans faire trembler le château du tout. Putain, je vous aime pas vous. Toi crève, parce que j'aime pas les poupées. Les poupées c'est le même. Hop. Light. Par le pouvoir de la lumière. Hop, 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 c'est le bordel. Donc on continue. Là. Hop. Attends, je comprends pas trop. C'est dans ces moments-là que je regrette l'épée fouet qui était quand même vachement pratique. Au niveau de la portée. Mais j'ai pas envie de crever maintenant. J'espère. Est-ce que j'ai des potions? Je crois pas avoir de potions. Niveau supérieur. Bon, vu que je les lamine tous quand ils sont à la queue leu-leu comme ça, c'est pas dur, mais. Hop, et voilà. Tout ça pour du fric. Oh merde, je me suis fait arnaquer. En fait, il fallait pas venir ici, il fallait monter. Attends, et à gauche, il y a quoi? À gauche, c'est encore un autre endroit où il faut descendre. Bon. Et je vais continuer de descendre, hein. Quand on est engagé il faut aller jusqu'au bout. Par contre je vais pas les buter, ils me font chier. Je vous aime pas. Je ne vous aime pas. Puis du coup bah je vais... Hop. Ce coup-ci j'ai réussi à éviter le super golem espion là. Très discret. Oh et puis fuck les officiers zombies. Tant pis pour vous. Le boss d'opérette. Oh non, merde. Bah écoutez, pour pas tout gâcher, je vais refaire en off tout le chemin jusqu'ici. Et une fois que je serai là, bah on reprendra comme si rien ne s'était passé. Sur ce, ciao.